ここのみんなに見せつけてやる。Hey yo tout le monde, c'est Skippy. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Dream Team. On est chaud, troisième vidéo que je tourne la même journée. On est chaud, voilà, le rythme du plot sur YouTube, on verra quand c'est ce que ce sera. Il y aura plusieurs jours d'écart entre chaque vidéo, comme ça on dure un petit peu dans la nif parce que je vais avoir un gros skip. On fera du PVP quand j'aurai tous les joueurs que je veux. Je monte tout, je mets tout dans ma team, je teste ça en PVP, on se fait un tournoi avec la GT. Il y a plein de projets les amis à faire pour YouTube. J'espère que tout ça vous plaira. Et ici, voilà, on a le step avec un Kalle Schneider. Très très fort sur sa tête, il fait très très plaisir, mais il risque d'être insuffisant sur le long terme. Il est debuff, donc moi je dis pas non si je l'ai évidemment, parce que je suis un fan de Schneider. Mais moi ce que je vise les amis, c'est ce Kalz pour le mettre en milieu défensif. Il est monstrueux, il est debuff, c'est un peu un Ishizaki, mais en plus fort, ouais, et en debuff. Moi je suis content. Celui que je ne veux pas, surtout pas, c'est Tigerbrand. Il me déçoit, je le trouve un peu naze, et il est buff. C'est pas du tout ce que je veux. Possibilité de ne faire qu'une seule rota. Enfin, une seule rota et demie peut-être. Mais moi, ce que je vise, les amis, si j'ai Kalz, je suis content. Si j'ai Schneider tout seul, un peu déçu, mais ça reste jouable parce qu'au fond, j'adore Schneider. Si j'ai les deux, Mazel Tov. Voilà. Du coup, c'est parti, les amis. On vise Kalz. Let's go. Première multi, 30 dB. Pas nécessaire. Quel dommage. Pas nécessaire sur la première multi. C'est dur. Ensuite. Deuxième multi, 40 dB. Peut-être nécessaire. Le flammo, c'est du troll souvent. Ouais, c'est du troll. C'est du gros troll. Donc deuxième multi, pas nécessaire. Quel dommage. Mais je tiens à dire que globalement sur Stanif, hormis le Tsubasa que j'étais cherché presque à la pitié, j'avais mis genre 800 dB, ben non 900, plutôt 900 dB, j'ai été relativement chanceux, la nif. Je vais pas à me plaindre, du coup c'est parti, SSR garantie, si j'ai Kalz maintenant, je pense que je m'arrête. Oh les belles flammes de l'Allemagne, Aikuzo la Mannschaft, allez la Mannschaft, nous ce qu'on veut c'est l'Allemand, ça clignote, c'est un du step, c'est l'un des trois, une chance sur trois d'avoir Kalz. Let's go. Tigerbrand, non. C'est celui que je ne voulais pas, justement. C'est celui que je ne voulais pas. Après, c'est pas fini. On a encore une du step garantie sur le step 5. Si j'ai doublon Tigerbrand, je pleure. Voilà. Très clairement, ouf, on va les vendre et on va les faire un petit mixeur SR. Un petit mixeur, on pourra même en faire deux, je pense. C'est parti. Le Spadas, on s'en fout. Et le deuxième. Raphaël. Pour les TS, c'est bien. Pour les TS, c'est bien. Au cas où il y aura un futur Raphaël Gamebreaker. Ou alors que le rework serait bon. Ou pour le PvE, de toute façon. Mais moi, j'aime bien jouer les Espagnols. Hein. Vous savez, le dieu Raphaël et Mickaël, j'aime beaucoup. On reprend. On reprend. Quatrième multi pour ce step. Allez, donne-nous un rate-up, s'il te plaît. Pas nécessaire. Et le jeu est radin. Ouais, il y a toute l'équipe, mais j'y crois pas. J'y crois pas une seule seconde. Ouais, c'est Roberto en plus, donc pas nécessaire. Aïe, aïe, aïe. Allez, les amis, c'est parti. Dernière multi que je peux faire. SSR garantie et un du step garantie. On vise Kalz. Allez, si j'ai Kalz, mon anif est terminé et j'ai la meilleure team possible pour le moment en debuff. Allez. Tout se joue là-dessus. Mon anif se joue sur cette multi. Schneider, Tsubasa, les waifus. Vous savez, les amis, ce que ça signifie, les waifus sur cette chaîne. Il n'y en aura peut-être pas deux. J'en aurais aimé deux, t'aurais pu en donner plusieurs quand même, espèce de jeu de radin. Oui! Yes! Le Kalz, il est là! Il est là, le Kalz! Oh, ça fait plaisir, les amis, vous savez pas à quel point.
Vous savez pas à quel point ça fait plaisir. Pas de Schneider. Malheureusement, j'aurais aimé l'avoir pour la collection, mais je vais pas râler. Tiger Brand, on aura pas de doublon Tiger Brand. Voilà, on aura fait l'exploit d'avoir deux du rate-up. Je n'irai pas plus loin, il me reste 136 dB. Je vais garder encore un long moment. Est-ce que je retente une deuxième rota sur l'Allemagne pour choper Schneider? Je ne sais pas. Je pense plutôt refaire une deuxième rota sur le portail Youth pour tenter d'avoir Gentile pour les bonnes TS, pour avoir le meilleur Gentile possible dans ma debuff. Voilà. En attendant les amis, on n'est qu'à 5 minutes de vidéo, j'étais un petit peu vite. Petite ellipse, je vais monter Tressaga que j'avais pas encore monté et Kals, je les mets dans ma team debuff et on voit ce que ça donne ensemble. A tout de suite. Ok re les amis, voilà la team telle que je l'aimerais pour le moment. Tressaga en attaque avec des stats monstrueuses, j'ai pas encore monté les TS et j'ai pas encore mis les nouvelles TS que j'ai. J'ai juste fait les évos sur le potentiel. Je l'ai explo BB3. J'ai de quoi faire BB4, il me reste encore 2 médailles ID. Seulement vu que je risque de réinvoquer sur l'un des deux steps, au cas où je chope un doublon, c'est une médaille d'ID d'économiser et puis ils sont déjà jouables BB3. Voilà, donc je vais farmer le plus de DB, refaire une vidéo invocation sûrement sur l'un des deux portails quand je me serai décidé, mais je pense qu'il y a plus de chances que je le refasse sur le portail Youve que sur le portail Allemagne. Simplement bah, pour Gentile, pour CTS, comme ça j'aurai sa deuxième meilleure inter et son meilleur tacle, parce que j'ai pas un bon tacle. Voilà, j'ai encore un slot de libre. Le truc, voilà, je passe à 39 debuffs, bon, c'est ce que j'avais déjà, et 23,5 de liens, je perds des liens, parce qu'il me manque un club bleu. Et j'ai Radunga justement ici que j'ai de quoi le faire BB4. Je comptais le mettre à la place de Almira, mais à ce moment-là, je perds mes leader skills de type vert. Donc j'ai pas trop le temps de chipoter avec le team building pour le moment, mais je vais bien sérieusement y réfléchir, les amis. Je vais réfléchir pour comment intégrer Radunga dans la team à la place d'Almira qui commence à se faire un petit peu juste, voilà. Du coup, les amis, on se fera tout ça dans la prochaine vidéo. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, ça fait super plaisir. À vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire vos meilleurs drops sur ce step Allemagne. Quant à nous, les amis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye, c'est mon tété Skippy et portez-vous bien. Merci d'avoir regardé la vidéo.